Salut à tous, et Kiwi, on retrouve Troy pour le sixième épisode de GTA 1 Grand Theft Auto, premier du nom. Si vous aimez le contenu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de mettre un maximum de commentaires. Les petits amis, aujourd'hui, Troy vient de débarquer à San Andreas. Je vais mettre tout de suite le chronomètre. Voilà, comme ça, c'est fait. Donc dans cette ville, hein, hop, on va commencer déjà par les premières petites caisses qu'on voit. Histoire de se faire plaisir. Toutes les caisses qu'on va croiser dans cette vidéo, on va essayer d'y faire un peu attention. Donc, on a de nouveaux véhicules, ça c'est cool. Donc je disais, dans cette ville, pas de véhicules cachés. Uniquement 8 téléphones. Et chacun des téléphones ont des missions découpées en plusieurs parties. Donc j'espère que ça va le faire. Ça par exemple, ça ressemble quand même fortement à un véhicule avec des missions à l'intérieur. Ah non, c'est un carnage. C'est un carnage. C'est un carnage. Easy. 5000. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va y arriver? Enfin, 1900, 1200, 1400. Hop là, deux véhicules de pété. Allez. Donc comme ça, on va pouvoir vérifier si l'indice de recherche disparaît une fois qu'on a terminé, la mission. Voilà. 3000. C'est pas suffisant, c'est pas suffisant. Elle a encore 2-3 voitures. Oh, c'est juste pour le fun, hein, les petits amis. C'est uniquement pour le fun. Hein. Je voulais juste voir ce que ça allait nous rapporter. Boum! J'en ai cramé combien là? Voilà, 5000. Non, 4000. Pourquoi ça bug autant là? C'est quoi ces conneries? Bonus point de vie. D'accord. Ok. On a des bonus points de vie. Je ne savais pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Allez, fonçons au téléphone. Fonçons au téléphone. Oh, cette voiture, comment je l'adore. Je me rappelle, je me rappelle. Je la veux. Je la veux. Putain, elle est difficilement rattrapable. Oh, la pénétrateur. Elle est excellente. Excellente. Regardez ça, cette puissance. Cette puissance incroyable. Ah, toi, tu fais pas le poids face à la pénétrateur. Je crois que c'est ma voiture préférée sur cette carte, les petits amis. J'aime beaucoup son petit style Batman. Batmobile, pardon. Allez, direction les téléphones. Les téléphones publics. Sont ici avec une petite caisse juste à côté. Voilà, parfait. On peut changer d'arme. Ouais, on peut changer d'arme. Nickel. Allez, premier téléphone. On a besoin de toi. Viens à Chinatown. On te recontactera quand tu y seras. D'accord. Allez, c'est parti. Direction Chinatown ou Chinatown. Je m'excuse envers ma communauté asiatique, hein, s'il y en a, pour ma prononciation. Voilà, je ne voulais pas vous offenser. Allez. On est juste à côté. Il y a un autre téléphone qui sonne ici. Ok. Allons répondre. Onwell a laissé sa voiture à Sauce Potato, récupère-la avant les flics. Merde, 59 secondes, sérieusement? Non. Pas cool ça, non. Allez, poussez-vous, poussez-vous, poussez-vous.
Mission échouée. J'ai fait n'importe quoi, les amis. J'ai fait n'importe quoi. Allez, on recommence, on recommence. On va la décrocher, ce foutu téléphone. Et on va faire attention à ce qu'on fait cette fois-ci. Poussez-vous. Il y a des véhicules de guerre un peu de partout là. J'ai pas compris à quoi ils servent. Est-ce que c'est juste pour gagner des points de... Ah là 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 là, je refais la même. Je refais la même. Allez, faut qu'on se dépêche. Faut qu'on se dépêche. On a 59 secondes pour y arriver. Bougez-vous de là. Est-ce qu'on se mettrait pas un petit hop, un petit point de sauvegarde vite fait là, comme ça. Histoire de. C'est quoi, c'est par où? Pas du tout. Putain, mais ils m'emmerdent tous ces gens là. Allez, dégagez de là s'il vous plaît, j'ai pas envie d'exploser. C'est celle-là là, c'est celle-là. Ok. On peut sauvegarder juste avant. Le compte à rebours n'est pas fini. Bien joué, oncle fou, fort content. Maintenant, ramène la voiture en état. Ah, j'ai peut-être perdu un peu de temps là. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Mission accomplie. Donc, oncle fou est très content. C'est du beau boulot. Oncle fou va apprécier. Tu fais honneur à la famille. Eh bien, très bien. Mais je suis très content. J'ai été content de servir oncle fou. J'aimerais bien maintenant qu'on me renvoie vers les téléphones, s'il vous plaît. Pooling, c'est payer une voiture rouge, mais Oncle Fou dit que cette couleur porte malheur. Repeint, là, et vite. Oh non. C'est pas encore fini. C'est ça, donc les trois parties, c'est ça? Les missions vont s'enchaîner tout de suite après, quoi. Il ne faudrait pas contrarier Oncle Fou. J'ai l'impression qu'il... Il doit avoir le bras long, lui. J'ai pas envie de me faire exécuter, quoi. Oh, mais la voiture est où? Toujours plus, hein. Toujours plus lent. Toujours plus lent. Passer par là. Allez, ne me ralentissez pas, s'il vous plaît. Où est cette foutue bagnole? 70. Non. Vite. Mais vous imaginez, il faut que je la prenne, que je la fasse repeindre et que je la ramène ici. Repeins cette voiture en bleu, dépêche-toi, oncle fou en a besoin. Vite, 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 faut la repeindre en bleu. Vite. Bon, si je roule pas sur ma voie, je vais jamais y arriver. Allez, 33 secondes, magne-toi un peu, je pense que je vais l'échouer. Et je vais devoir la recommencer intégralement en fait. Oh non mais là c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible.
12 secondes. Mais non, mais comment vous voulez que j'y arrive là, vraiment là? C'est impossible, vraiment, hein. Mais non, j'ai perdu beaucoup trop de temps. C'est pas possible, c'est dingue ça. Bon, ok, mission échouée, on va la recommencer. Celle-là, allez. Ah mais en fait je dois reprendre là où... Oh là là, mais pourquoi? On va sauvegarder dès qu'on a fini cette mission. Voilà, mission accomplie. Tac. Petite sauvegarde qui va bien. Ok, parfait. Je vais pas me faire écraser une deuxième fois. Allez. Dépêche-toi. Deuxième mission, il faut aller chercher une bagnole. Accuse les pains en plus. Voilà, on va rester sur cette voie-là. Normalement, en ligne droite, ça devrait le faire. J'espère que ça va le faire. Car c'est pas gagné du tout. On n'est pas à côté, il faut la faire repeindre et, après il faut la ramener quoi. Il faut la faire repeindre. Bon, qu'est-ce qu'il me fait là? Allez, Fissa, 90, on est déjà mieux que tout à l'heure. Hein. Je vais sauvegarder ici aussi, je pense. Voilà, comme ça, tac, tac. Sauvegarde qui va bien. Allez, direction le paint and spray. Et on y croit, un peu. Dès que je rentre à l'intérieur, je sauvegarde aussi. Et on aura quelques secondes pour la ramener. Ah, c'est une course contre la montre, encore une fois, les petits amis. C'est complètement fou. C'était pas ici. C'était par là. Est-ce que... Eh, dis donc, on galère un petit peu là. 60. Parfait, ça y est, la voiture est repeinte. Parfait, ramène-la en quatrième vitesse. Allez, pousse-toi de là. Non. Je reprends. Ça part très mal ça. Ça part très mal ça. Faut juste trouver l'artère là qui descend un petit peu. C'est pas du tout par là. Je me fais chier pourquoi là? Pour quelle raison? Embraye s'il te plaît, embraye. Je ne comprends pas trop cette ville, mais pourquoi pas. Ah, la police. Ils ont rien dit, chanceux que je suis. Ils n'ont strictement rien dit. Attendez, mais 15 secondes, c'est quoi ce délire? 10 secondes, est-ce que je vais vraiment y arriver là ou pas? Putain, à cause de ce connard là? Je vais échouer? 4, 3, 2, dégage de là! Une seconde, oh, mission accomplie! Mission accomplie! Je suis content, tu as été utile à Oncle Fou, il te récompensera généreusement. Et donc, je dois aller où maintenant là, exactement? Dis-moi. Un taxi pour aller plus vite. Pulling est à la marina, il t'attend dans une voiture avec de fausses plaques d'immatriculation. Bon, au moins là, il n'y a pas de...
Il n'y a pas d'embrouille. Pas de chronomètre. Corruption police, oui, d'accord, ok, très bien. J'ai déjà 102 000 dollars sur mon compte. Je suis déjà très riche. Ah, attendez, laissez-moi juste voir si au niveau... Voilà, je suis bien calé. Comme ça. Putain, je comprends pas du tout ce quartier-là. Mais alors, pas du tout. Putain. Les taxis sont sympas, hein. Ils sont un peu lourds, mais ils sont sympas, quoi. On a le temps de voir normalement les virages. Ça va ni trop vite, ni trop lentement. Ça picote un peu quand même, hein. Ça picote les yeux un petit peu ces graphismes. Hein. Allez, direction la marina. Il y a un truc là, ici, là. C'est quoi? Corruption police. J'arrive, attends-moi. Je t'attends ou je peux te rejoindre? Ah, je devais t'attendre. Je suis trop con. File à la banque de Sunview. Chu Ying t'attend pour faire un retrait d'argent qui ne lui appartient pas. Ouais, donc elle veut juste braquer la banque, quoi. Elle ou lui. Je sais pas si c'était un prénom, un nom féminin ou masculin. J'ai un doute. Direction la banque. Et donc petite sauvegarde en cours de route pour pas se faire piéger une autre fois. Ce serait bien. Ok. Bon, cul-de-sac. Je déteste cette ville. Il faut donc garder cette voiture. Hein. Je sais pas du tout par où il faut passer. J'en ai marre. Eh oui, si tu ne te pousses pas du milieu, je vais te rentrer dedans. C'est tout à fait normal. C'est moi ou la voiture va exploser là? Elle fait un drôle de bruit. C'est quoi ça? Je prends ça. Encore un pistolet. Passer par là. Elle a fait un braquage. Vas-y, monte. C'est délicieux. Bon, on y va en douceur. En douceur. Hop, petite sauvegarde. On va passer par là. Raté. Si on emprunte les petites ruelles, normalement, on n'est pas censé se faire choper. Hein. On n'est pas censé se faire avoir. Hop, petite sauvegarde encore une fois. Allez, pas de barrage de police, s'il vous plaît. Merci. Voilà, je peux passer par là.
là ça craint, là ça craint là. Là ça craint. Là on a la voiture qui est déjà bien esquintée. Et on va se taper toutes les voitures de police qui vont nous exploser la tête. Allez, s'il te plaît, ne déconne pas. Encore une petite sauvegarde ici, ça ne mange pas de pain. Et le garage est là. Mission accomplie. Yes. Yes, yes, yes. Merci, oncle Fou sera informé de ta réussite. Tiens, prends une chips au crabe. C'est bon les chips au crabe. J'aime beaucoup ça. J'ai trouvé le titre de ma vidéo. Si tu veux un autre boulot, va près des téléphones de Central Market. Eh ben j'y vais de ce pas. En tout cas, c'était pas facile, hein, cette petite mission pour Oncle Fou, là. C'était pas évident. J'aimerais bien trouver un petit gilet pare-balles. J'aimerais bien. J'ai bien dit, j'aimerais bien. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut en trouver, hein. Clairement. Bon, est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on y croit? Tac. Oncle Fou a besoin de toi encore, mais il y a trop de monde ici. Va à Hay Valley et attends mon coup de fil. Allez, direction Hay Valley. Hay Valley, Hay Valley, comment on dit? Avaler. Je sais pas trop. Bon, pas de caisse par ici. Pas de truc. Si, là, ici, là. Il y a une caisse là. Un lance-roquette. Carrément. Carrément un lance-roquette. Donc, nouvelles armes. Hein. Nouvelles armes dans le secteur. San Andreas, on peut trouver des lance-roquettes. Voilà, vous le savez. Vous voilà informé. Et là, il y a encore une caisse, là. Je vais aller la prendre. Il n'y a pas de compte à rebours. Un blindage. Oh oui, ça, je veux ça. Ah oui, 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 ça, c'est très, très bien, ça. Tu dois collecter les paiements des restaurants que nous protégeons. Ok. Ah ben très bien. On va aller faire l'usurier. Ping ping le gérant. Ah j'ai pas suivi. J'ai pas suivi. Attendez. Attendez. Je veux lire. Bon ça j'ai compris. Je dois faire l'usurier. Et ensuite, ping, Puping, le gérant du Dragon Rassi à Glenwood, doit te payer en premier. Très bien. Ah, je voulais comprendre ce que je faisais, hein, les petits amis. Désolé pour le retour en arrière. Mais c'était important. Et puis voilà, on n'en était qu'à quelques secondes de plus loin. C'était pas non plus un truc de dingue. On va aller se faire payer par je ne sais plus qui. On va prendre cette voiture-là. La petite Stinger qui va bien. Et on va aller chercher notre petit paiement pour leur protection quoi. Wouah, salut. Voilà la somme, oncle Fou est puissant et valeureux, nous le remercions. Mais pas de problème. Pas de problème. Maintenant on va voir Oshing qui tient le Belching Buddha à Wood Hill. Allez, deuxième paiement. Si ça pouvait se passer aussi bien que le premier, ça serait nickel. Ça veut dire que Oncle Fou est très respecté et que les gens le craignent. Allez, on y est, je pense, là. Voilà, comme ça. Alors, on va changer d'arme au cas où on en ait besoin. Voilà l'argent, puisse Oncle Fou me protéger d'autres attentats surprises.
Je suis suivi là ou... Très bien, file au Duping Lotus de High Valley et demande à parler à Lemming. Très bien. D'abord, petite sauvegarde pendant que je bouscule cette petite voiture. Allez, c'est quand tu veux. Est-ce qu'on peut prendre une petite réparation là en cours de route là? Tac, tac, voilà, comme ça. Ah, l'arbre, non, c'est bon. C'est bon, il ne m'a pas trop ralenti. La petite Stinger, ça avance bien quand même. Hein. Ça avance très très bien. Ah, le paiement est ici. On va aller... On peut pas rentrer ici. On peut pas y rentrer, il va falloir faire le grand tour. Oh là là, qu'est-ce que j'aime pas ça. Attendez, il n'y a pas moyen d'aller... si. Il y a moyen de passer par là. Hey, watch you. On va prendre l'arme qui va bien, genre celle-là. Petite sauvegarde. Attention, est-ce que ça va partir en cacahuète ou pas du tout? J'espère que non. Prends cet argent et puisse Bouddha te protéger d'un coup de couteau dans une allée sombre. Très bien, je suis content de ce que tu viens de me dire. Il n'en reste qu'un, va voir Shu Wing Dong à Kukrel, le rampant de Woodside, il doit te payer. Bon, ben c'est très bien, donc le dernier paiement, ça va se faire tranquillou. Allez, dépêchez-vous, dégagez de là. T'as intérêt à raquer, mon gars, si c'est une entourloupe. Je vais te défoncer. Oncle Fou ne va pas être content si tu me la joues à l'envers, je te le dis. Je sais pas pourquoi, mais mon instinct de truand me dit que ça a mal se passer, que le quatrième paiement ne va pas être aussi facile que les trois premiers. Voilà, regardez, regardez. Je le sens pas du tout. Regardez, regardez, regardez. Est-ce que vous, vous le sentez ou pas? Voilà la somme, puisses-tu griller un enfer jusqu'à la fin des temps, sale racketeur. Très bien. Excellent travail, ramenez l'argent à Chinatown le plus vite possible. Bon, écoutez, en attendant, c'est très bien. Hein. C'est vraiment parfait, quoi. C'est vraiment perfect. Ça n'a pas été trop compliqué, hein. Collecter 4 mallettes, là, rien de trop ouf, quoi. Ah, c'est pas par là qu'il faut aller, c'est par là. Il va falloir que je me rappelle, la voiture elle va exploser encore là. Allez, je vais rentrer là-dedans. Boum, mission accomplie. Et on sauvegarde. Tac. Les petits amis, on va s'arrêter là. J'en profite pour mettre pause, parce qu'on a déjà atteint les 29-30 minutes de vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très prochainement dans un autre épisode. Je vous dis à la prochaine. Salut à tous. Bye.